Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné avec moi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Je peux déclarer Alléluia. Jésus détient la victoire. Déclare-le parce qu'il est mort pour toi. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Jésus, le roi est ressuscité.
combien j'aime ton nom. Combien j'aime ton nom. Jésus, tu es merveilleux. Combien j'aime ton nom. J'aime ton nom. Combien j'aime ton nom. Combien j'aime ton nom. Jésus, tu es merveilleux.
une armure nouvelle. Seigneur, que chacun parte avec un contrat, une alliance renouvelée par ton sang. Oh Seigneur, écoute les soupirs, tu as entendu, tes serviteurs t'ont adoré. Tes serviteurs ont crié dans ta présence. Hey, c'est ton moment, papa. Parle. Et la baba chaye la go. Hey, y'a la souya chaye la basse. Et la bashi carra bashi la so. Y'a te na so. Y'a chi di basse. Y'a corri a bashi. C'est le moment, c'est le moment. Chose vaut mieux que son commencement. Nous arrivons bientôt à la fin de ce temps. Et là, ici, nous avons expérimenté une onction puissante. Nous voulons le double, le double. Nous voulons le double, oh Rabashira. Et nous voulons que cette onction aille jusqu'à dans nos maisons. Comme à Moïse, qu'il reçoive le double pas. Il ne s'agit plus de nous, il s'agit des âmes. Il s'agit des âmes. Et Rabababa, je te dis la vérité. Toi qui es présent en ce lieu et toi qui m'écoutes, si tu es ici, c'est parce que tu es celui qui a été appelé pour avoir le souci des âmes. Tu ne prieras plus pour toi, mais tu prieras pour tes frères et tes sœurs. À toi qui penses que ton ministère est terminé. Le Seigneur te dit que tu es là où tu dois être. Élève la voix, continue à soupirer. Continue à soupirer. Ne sois pas fatigué dans la présence de Dieu. Lorsque sa servante chantait, je me suis dit, Seigneur, j'ai perdu l'habitude, je suis fatigué. Je me suis dit, Seigneur, touche ton serviteur, qu'il écoute vraiment cette adoration, qu'il ne me donne pas le micro. Et le Saint-Esprit me disait, déjà, alors je peux te fortifier. Élève la voix, si tu es fatigué, tant mieux. C'est parce que le Saint-Esprit entre en jeu. Eliya Baba Sori. Et c'est le moment d'accueillir. Quand tu as bien mangé, tu prends un digestif. C'est le temps du digestif. Je vois une personne qui a pris ce temps de carême comme étant un engagement, comme étant une supplication envers Dieu. Cette personne a fait l'effort de faire ce temps de carême pour supplier Dieu de lui donner sa gloire passée. Je vois que tu es à genoux devant ton autel et pendant que tu pries, le feu, de façon arrondie, comme une flamme, mais vraiment un feu vraiment dense, comment l'expliquer? Ce feu vient se poser sur ton autel. Et à partir de cet autel, des flammes de feu sortent de ce feu. Et ces flammes viennent te transpercer et te toucher. Et tu n'es plus pâle, mais tu rayonnes. Cet autel que tu as bâti à l'occasion de ce carême, ne l'enlève pas. C'est un rendez-vous que tu as fixé avec Dieu. Continue à prier dans cet autel, je te dis la vérité. Tu verras des malades guéris. Ta bouche ne pourra pas se taire. Et là où Dieu t'enverra, tu auras un mot, tu auras une parole puissante. Quand tu parleras, les autres se tairont parce que tu parleras de la part de l'Éternel. Continue à soupirer, continue à soupirer. Vous savez, Jésus aime les fous dans la foi. Ils aiment celui qui est fou dans la foi. Parce que la Bible dit, ce qui est folie pour les hommes et sagesse pour Dieu. Continue à soupirer. Nous avons vécu un merveilleux temps d'adoration. Ton âme ne parle plus, mais c'est ton esprit qui est au contrôle, parce que l'Esprit de Dieu le possède. Soupir, soupir, soupir. Soupir, que Dieu ouvre tes oreilles. Rabababa Shai.
Iria la la soria bashiria se. Oh, yashaya wasai. Iria baba coria nasai rashikai. Iria la vatoria sai. O rabakaya rashika rabasate rashitana matora. Je vois une dame dans sa maison qui s'inquiète à cause de cette situation économique actuelle. Elle est seule avec ses enfants. Et cette dame se demande comment va-t-elle faire pour remplir ses placards. Et au moment où elle se pose la question, je la vois ouvrir un placard. Le placard est fermé, il est vide. Et lorsqu'elle le referme et qu'elle prie, elle l'ouvre et le placard est plein. C'est la dimension du surnaturel. Est-ce que quelqu'un ce soir veut arracher la dimension du surnaturel? Ce n'est pas donné, c'est arraché. Comprends-tu? C'est arraché. Eria baba koria si, soupir, soupir, soupir. Tu te rappelles de quand tu exerçais, quand tu étais jeune? Dieu te donne de la vigueur dans ta vieillesse. Il te donne de marcher de nation en nation. Et tu penses que lorsque tu étais jeune, tu servais l'Éternel. Mais c'est maintenant dans ta vieillesse que tu le serviras de façon puissante. Dieu se choisit des prophètes, ouvre la bouche. Ne garde pas la bouche fermée. Même si tu ne sais pas quoi dire, ouvre la bouche. Tu es le prophète de l'Éternel. Oh, c'est merveilleux. Père, tu es merveilleux. Père, tu es. Alia shaye la kaya la jarabaka. Eria basaye la batoria la bakora. Shikaya saye la tania sheria. Eya la basora. Je vois plusieurs personnes. Dieu pose sa main sur eux et leur tête s'ouvre en deux. C'est, elle s'ouvre, la main de l'Éternel pénètre et il inscrit, il écrit. Et je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle, mais le Seigneur va te saturer de sa parole. Tu ne pourras pas t'arrêter. Le Seigneur renverse tout ce qui t'empêchait de méditer sa parole. Le Seigneur renverse tout ce qui t'empêchait de croire en sa parole. C'est maintenant le commencement pour toi. Il est présent. Parle à ton Dieu. Oh, parle à ton Dieu. Dis, je veux t'entendre. Je veux te voir. Personne n'a quelque chose de plus ici. Personne. Mais nous sommes tous des assoiffés. Dis, je suis assoiffé. Ouvre mes oreilles. Je veux entendre. Ouvre ma bouche. Je veux parler. Touche mon cœur, n'aie pas peur. Souviens-toi. Lorsque le bateau tanguait dans la tempête, moi Jésus, je marchais sur l'eau pendant cette tempête. Tout autour de moi, la tempête se calmait, car même les éléments savaient que j'étais. Je marchais sur cette eau pour toi. J'ai quitté là où j'étais, parce que de là où j'étais, je te voyais tanguer dans ta barque. Alors j'ai marché. J'ai calmé la tempête. Je t'ai dit, au-delà de cela, tu dois marcher sur les eaux avec moi, car tu reçois la vision que j'ai eue. Tu la reçois
pour l'autre qui attend. Prends-toi au sérieux. Les temps qui passent sont des temps capitaux, vraiment. Prends-toi au sérieux. Quand il reviendra, trouvera-t-il quelqu'un qui a la foi? Oh Rabashi, tu es mis à part aujourd'hui. Tu es appelé aujourd'hui. Prends au sérieux. Prends au sérieux cet appel. Je te dis la vérité. Je vais nous inviter à nous mettre à genoux quelques secondes. Tu es libre dans la présence de Dieu de prier avec moi. Éternel Dieu des armées, je m'appelle, dis ton nom. Je m'appelle Jessica Ramos. Je suis née de ta main. Je viens de toi. Et aujourd'hui, je déclare que je marche avec toi. Je déclare que je ne m'éloigne ni à gauche ni à droite. Père, je déclare qu'aujourd'hui, j'expérimente une vie de prière surnaturelle. Aujourd'hui, je rentre dans le ministère du service du Seigneur. Père, je déclare que ni le vent, ni la tempête, ni les ténèbres, ni l'œuvre de l'ennemi n'arrêtera ton œuvre en moi. Rien ni personne n'arrêtera ton œuvre en moi. Je me mets en marche aujourd'hui. Je me mets en marche aujourd'hui. Je me mets en marche aujourd'hui. Et je m'apprête à accueillir l'époux avec tous ceux de sa maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame sa parole. Je la proclame jour et nuit. Et je vois en manifestation la manifestation de sa volonté. Je ne retournerai pas aux vomissures passées. Non. C'est fini. Déclare, c'est fini. Lorsque nous allons nous relever, déclare que c'est une nouvelle personne qui se lève. Que cette personne, comme Jésus il y a 2000 ans, est remplie et revêtue du Saint-Esprit. Tout simplement de te dire merci. Merci. Garde ce dépôt merveilleux que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous, caché, enfermé dans ton précieux sang, que personne ne le détruise.
détruise, que personne ne l'enterre. Malgré les épreuves, je demeure ferme dans la foi. Malgré la tempête, Seigneur, je guette Jésus qui arrive marchant sur les eaux. Seigneur, tu es merveilleux. Remercions l'Éternel, tu es des armées en ce soir. Il convient de dire merci à l'Éternel. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ce moment. Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Merci, merci. Oh Père, nous ne sommes pas des enfants ingrats. Oh, mais nous savons l'action de grâce appelle la grâce. Nous voulons plus, 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 plus. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci. Merci. Merci pour tout, tout, tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Papa, merci pour tout.